Parlons de la foi. Sur cette terre angoissante, la foi est plus importante que la nourriture. On ne peut décrire les tortures mentales des hommes qui n'ont pas de credo. Mais comme l'on est heureux quand on a la lumière de la foi pour guider ses pas. La foi permet d'ouvrir la bouche du cœur, ce qui permet en retour à Dieu de nous nourrir de sa paix. Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ne vous inquiétez donc point, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » L'esprit de foi soutient l'homme durant les épreuves de la vie, le soutient dans la maladie, donne un sens à sa vie et le remplit d'espérance pour l'au-delà. Fernand Fortin a écrit « L'humble se soumet à tous les desseins providentiels avec cet abandon du petit enfant qui s'endort tout confiant dans les bras de son père. » L'homme qui a la foi pour fondement de sa vie reste calme en passant au milieu des tumultes de ce monde. La foi redonne à la vie sa ligne droite. Au milieu de la tempête, nous pouvons par la foi dormir dans la barque avec Jésus. Et c'est pour nous mériter la grâce et le ciel que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme et a voulu souffrir et mourir. Dans son livre « Le bon sens de la foi », le Père Cossette a écrit « La foi, c'est être semblable à un enfant aveugle qui n'a pas besoin de voir son père pour lui tendre les bras. Pratiquez la foi que vous avez et bientôt vous obtiendrez celle qui vous manque. » Prions, mes amis. J'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. J'accepte de vivre désormais par la foi. J'aurai confiance en Dieu en traversant les épreuves de cette vie. Je ne serai plus jamais en désarroi. Car tu places en moi l'esprit de foi. Tu me fortifies par la pensée de l'éternité. Je vivrai désormais en tenant ta main comme tu tiens la mienne. Amen.